Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Project Zomboid avec Katox, Damned, le Sync, comment allez-vous? Toujours en vie? Toujours ça en vie. Va, ça démonte. J'ai une clé plate. Moi je retourne à la base. Ah oui, je te vois. Je vais vider mes sauterelles et tout ce que j'ai trouvé et je vais essayer de rejoindre Katox. Il y a un petit peu de brouillard quand même. Si tu veux, il y a de quoi bouffer sur la table avant de partir. Ah ouais, bah de toute façon, je suis mourant là. Comme d'habitude. Bon bah ça c'est tout vide, il y a plus rien à en faire de cette bagnole, c'est une carcasse vide. Alors, j'ai ramené de la ficelle. Ça c'est cool, plus que les cafards. T'as ramené un zombie aussi. Encore du scotch. Et des champignons, des carottes. Des bouteilles de soda vide, ça c'est moins bien. Oh, j'ai one shot un zombie. Putain. Oh la classe, t'as appris à te servir de la lance. Alléluia. C'est risqué du coup de laisser les portes ouvertes s'il y a des zombies qui rôdent. Je crois que ma bouteille elle est percée. Là-dedans on va mettre des sauterelles. C'est possible ça? Je te mets à nouveau des champignons, ils sont tous de bonne qualité normalement. Très bien. N'hésite pas à mettre quelques trucs au congélo hein, de temps en temps. Et des carottes. Et des feuilles de vigne. Je sais pas ce que tu vas en faire. T'es tellement discrète que quand t'es en mode discrétion, si je suis pas vraiment tourné vers toi. Tu disparais quoi? Je suis pas là. Oh. Si, on sait que t'es là, t'as vidé le frigo. Viande hachée, frais cru, c'est ça que tu veux que je bouffe? Ah, mais non, sur la table. T'as trouvé où de la viande hachée, frais cru? Dans un. Je crois que c'était dans un micro-ondes à attendre. C'était pas en train de décongeler? Ah merde, mais je pensais que j'avais tout consommé. Eh ben non, mais bien vu. Hop, au congélo. Je sais pas si un jour congèle et que je décongèle, le truc il va être... Faudra qu'on m'explique, hein. Je suis en train de tuer deux zombies. Je pense que ça fait facilement une quarantaine de coups de marteau là. Ils sont toujours pas vivants, ils sont toujours pas morts. Ils sont toujours pas morts. Bah les coups de marteau c'est du 0,1 minimum alors que les lances c'est du 1 donc c'est 10 fois plus. Ouais bah n'empêche que je vais crever parce que à force là... Ce sera embêtant que tu meurs. Le temps que je te rejoigne, tu seras sûrement bien mort. Je vais essayer d'aller avec vous pour changer un peu. Je suis dans le bâtiment. C'est un bâtiment de stockage avec des volets en forme de L. Forme de volet. Oh, tu sais, avec les repères qu'on a, je serais pas étonné qu'on tombe direct sur toi. Bah, globalement, tu regardes ta carte le long de la. Le long de la grande route, t'as un seul bâtiment en noir. Ouais, sauf qu'il faut que... En presque ligne droite. En presque attends ligne moi, droite. Attends-moi, Slan, j'arrive. Du truc, et c'est le seul bâtiment qui est dedans. Je m'équipais de ma nouvelle... Bah, il est mourant. Je veux bien t'attendre, mais pas forcément très longtemps. J'arrive, je suis là. Ouais. Et tu sais, il fallait que... Alors, faut qu'on se mette en furtif, ok. Non. Il a tout dégagé devant, et il est pressé. Donc on va prendre la... Alors la route c'est laquelle? Celle qui part du nord ou c'est celle qui... La route fine qui part à côté de chez nous? En gros j'ai pas pris la route. Je suis sorti par la porte. J'ai été tout droit à travers la forêt. D'accord. Est-ce que c'est... Donc il y a un bâtiment en L, deux petits bâtiments en carré noir et un grand en carré noir. C'est ça. Et je suis juste dans le bâtiment en L. Très bien, on arrive. Puis dans le creux du L. Alors, t'es sérieux, on va prendre la route, parce que tu sais ce qui va se passer si on court dans les forêts? On va se coincer. Non, on va se faire saigner, tout simplement. Ouais, moi je suis passé par là, pas de problème. Oui, mais toi tu courais pas. Non. Ah oui, quand tu cours, tu t'es gratiné tout, tu veux dire? Ouais. Moi je contourne la forêt alors. T'es parti par le nord? Ouais. T'es là que t'es parti, non? Ah oui, je suis déjà quasiment arrivé. J'arrive à la route, moi. Ah, ça, c'est ces gens de la campagne, là. J'aurais dû prendre une voiture, moi, je vous le dis. Je suis humide. Ah bah, pas moi, fait oui. Ma séance de sport. Bah, je pense que ça va compter, là, non? Ah, je vais déséquiper quelques pas, trucs, non. Parce que... J'ai trop chaud, là. Alors, la map... Je suis où? Ah ouais, je suis bien au nord là, quand même. Il y a un zombie derrière toi.
Il y en a deux devant aussi. 3, 4, 5, 6. Il y en a plein. Ah non. Pourquoi tant de haine? Bien. De mémoire, ils courent pas aussi vite que nous. Mais il y en a plein, plein, plein en fait. Hein. Ouais, c'est un petit peu juste quand même. Hein. Toi, tu cours très vite. Hein. En plus, quand t'es mouillé, ça te ralentit quoi. Pas remarqué. Bah, c'est marqué ouais, sur la pop-up. Je coupe à travers les forêts parce que j'ai trouvé la piste de Katox. Tu verras, okay. Des grosses traces de sang. Ah oui. Dans la forêt, tu trouveras plein de sang. T'as juste à suivre les cadavres et le sang. Ouais, mais par contre... Tué. Ah mais attends, mais il y en a partout. Il y a des zombies à tuer encore, ils a pas tous tués. Je vais faire un max, hein, mais... J'arrive sur la route, donc dès que j'aurai passé, je vais regarder où je suis. Ok, je suis devant le bâtiment en L. Bah, y'a des zonzons qui tapent à une porte, dans le creux, là. C'est chez moi. On peut passer par-dessus le grillage ou pas? Ouais, normalement le grand, on peut, ouais. Fais gaffe, ah. Tu vas tomber, toi. Si on n'est pas trop nul. J'avoue. C'est tellement bien fait, quoi. Le mec, il suspend, il gratte comme il peut avec ses pieds et tout. Ah, tout à l'heure, Damned, il a couru pour passer une toute petite truc. Il y en a beaucoup, c'est là, non? Éclaté. C'était beau. Ouais, je me suis éclaté au sol. Reste pas sur le côté comme ça, Lessine. Ma lance s'est cassée. Oui, c'est normal. Regarde juste s'il y a des zombies derrière moi. Je surveille derrière toi, je te couvre. Il y en a un qui arrive derrière toi, je tente de le gérer. Ok, pas de four, je vais changer d'arme. Tu peux pas sortir, Katox? Bah, pour l'instant, j'ai des zonzons qui tapent dessus. Sur la porte. Mais je peux sortir et courir. Hein. On était pas à la bonne porte alors? Ouais, je pense que ça doit être en haut là. Il y a du dans le creux du L. Ah oui, c'est vrai. Et il y a des portes aussi qui. Je couvre derrière toi. Tu veux que je te dépose une lance, vite teuf? Ouais. Vous êtes dessus, vous me dites, je sors, je les tabasse avec vous. Hein. Bah on est devant en tout cas. Bah, je peux ouvrir la porte. Il y en a de moins en moins, on va dire. Non, ma lance s'est cassée. J'arrive. Salut. Merde, mon couteau est resté coincé dans le zombie. Je vais faire un... Avec les couteaux, on peut faire un instant kill, mais... T'as posé des lances par terre, le signe, ou pas? Pas encore. J'ai à peine le temps de... Pas grave, j'en ai d'autres. Merde. Ouais, mais du coup, j'en ai posé, mais... Katox, il va y aller. Ah. Le signe, fais gaffe. J'essaye de faire attention. C'est surtout fais gaffe à toi, en fait, voilà. Ouais, oui, non, mais ok, j'essaye. C'est nettoyé. Il y a des lances, là, par terre, si vous voulez. Et il y a l'air d'avoir des zombies qui tapent sur cette porte-là, là. De l'intérieur, je vais pas réussir à ouvrir par là. Là, ici, ouais, mais... Mon mec il peut plus, hein. Il est trempé, à bout de souffle, c'est la fin quoi. C'est ouvert? Non, c'est pas ouvert? Non, je retire le verre brisé, ce sera ouvert dans 2 secondes. Ça marche. Ouais, il y en a deux. Bon. Oh merde, il y en a plein d'autres qui arrivent. On fait trop de bruit, c'est ça? Donc moi je suis tranquille à démonter mes trucs là, ça se trouve j'aurais peut-être pu venir vous aider, ça aurait peut-être pu être utile. Non ça va, ça... on a sauvé Katox. Bon après il a été mordu 17 fois alors on n'est pas sûr qu'il soit entièrement sauvé. Il n'y a plus de lance, alors il m'en faut une dernière. Ah mais alors moi je peux plus courir hein, donc bon. Bah il faut que t'ailles t'asseoir, va-t'en et va t'asseoir. Ah bien se passer. Voilà, il y a un banc de musclage là. Je peux peut-être l'utiliser. Ça serait super de le prendre. Je peux rien faire dessus, y a pas d'interaction. J'ai plus d'armes, j'ai tout cassé. Hein. Ah non, il y a un zombie avec mon couteau dedans normalement ici.
Voilà, ouais. Ouais, il a un tour de vis. Ici, il y a plein de caisses. Ici, il y a plein de caisses, on devrait trouver quelque chose. D'accord, ça marche. T'as ouvert ? C'est ouvert, ouais. Nickel. Bah, si vous me cherchez, je me suis assis dans la pièce de... où Katox était enfermé, qui est décorée avec goût, je pense qu'on peut dire ça. Ah, ça, quand je sais que je me suis bien battu. Y a des... J'ai trouvé des marteaux et autres, si tu cherches des armes ici. Ouais, je vois bien, parce que j'ai presque plus là, rien. Dans les caisses... Ah, une massette. Il y a deux types de masse maintenant de Sledgehammer, et je connais pas la traduction en français. Faut peut-être que je me renseigne sur la traduction en français du Sledgehammer. Il y a une massette. Je sais pas si la massette fait le taf, attends, je vais essayer. Bah c'est ce que je me demande, si la massette ça fait... Tu peux l'équiper et essayer de démonter un mur. Je vais essayer, attends, hop. Bon, le signe, tu vas peut-être lever un moment. Attends, j'essaie de le mode recherche en marchant pour voir si ça me repose, mais j'ai pas l'impression. Faut que tu me cuisines quelque chose. Non, bah là, ça va être compliqué, là. Si je fais... On est loin de toute ressource. Démonter, non, il me propose pas. Il propose rien de tout ça. Ça désactive pas le mode recherche. A tout hasard, il y aurait de l'eau. Je vois pas d'eau. Ici, j'ai trouvé pied de biche, râteau. Pas mal de trucs sympas. Si je fume une clope pendant que je suis essoufflé, ça marche, vous pensez? Aussi, tuyau métal. Pinceau, peinture. Ah, j'ai un sauté de légumes frais cuit sur moi avec une poêle. Bah voilà. Tu l'as pas mangé ça? Bah oui, du coup. Si t'en restes, vas-y, fais péter sinon. Ça m'étonnerait parce que j'ai fait manger un demi à la poêle vide. Bon. J'aurais dû faire un quart. Tu m'aurais dit juste avant, j'aurais fait un quart. Oh, pas grave. Et j'aurais eu faim 3 heures avant toi. Pauvre celle-là. Bon, je peux au moins rebouger. Ben voilà. C'est vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un à soigner? J'ai tout ce qu'il faut, hein. Tu tapes dessus, bah, t'as moi, chose comme ça. Si tu veux t'amuser, oui, je... J'arrive. Allez-y, je vous couvre. Je vous couvre. Tout le temps à glander. Oh là 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 là. Vous avez pas voulu prendre de voiture, vous assumez. Mais non, je vais pas mourir. Vous venez vous chercher en bagnole si vous voulez. Hein. Je ne suis qu'en blessure critique, ça va? Bon, je vais venir vous chercher, on me fait de la peine. Bon, en extrêmement critique, tu vois. Non, non, Katox, c'est pas la peine de venir le chercher. D'accord, bah, vous, oui, peut-être. Désinfecté. Pendant ce temps-là, il bleed comme à mort. Ok, alors attends, parce que tu vas foutre, je trouve que vous êtes. Écoute, pour l'instant, je vois pas de morsure, donc t'as une chance de survivre. Non, non, mais t'embête pas d'amener dans. On a encore des trucs à fouiller ici. Je suis déjà parti. Saignement en taille. Oula, vous êtes passé à travers la forêt, c'est ça? Bah non, mais si tu sais pas non, où non. On est, c'est vraiment pas la peine de venir nous chercher. Si, le bâtiment L, je le vois. Ah bah alors ça, c'est super. Mais toi, tu passes pas par la forêt. Katox, tu t'es remis en état? Nickel. Merci, je m'en doutais. Hein. Enfin, mais t'es venu en voiture ou à pied? Tu viens en voiture ou à pied? Pièce de rechange de moteur. Bien sûr. Pièce de rechange de moteur, allez hop, ça je prends. Ah bah ça, c'est bon ça, il en faut ça. J'arrive même en faisant des dérapages, c'est pas mal, non? Non! C'est pas... Non, c'est pas bien. Celui-là, j'imagine que t'as eu 10 fois le temps de le fouiller. Ouais. Il y a un jouet pour ça. Ici, il y a quelques livres. Ah, là, il y a des... chemises de baseball du Kentucky. Oh putain, deux hordes. Donc, une en plein milieu de la route. Une troisième horde. Ah bah putain, je vais les attirer parce que... ils montaient vers chez nous. Allez, venez, suivez-moi. Mep, 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 mep. Oh, là, c'était mieux avant, hein. Mep, 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 mep. Oh, on a des Legos. Ça fait vraiment mal, hein. Baguette de stougage et fil de fer. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui veut ça. Et il y a une radio allumée, là. Oh, un générateur. Des livres, on en avait plus. Ah, t'as quoi? Ah non, des livres normaux, c'est ça. Ouais, des livres vraiment normaux, ouais. Ah bah tiens, je vais en venir en lire un. Bah attends, je les ai pris, je t'en pose un par terre. Non, je t'en... Merci. Par terre, on a dit. À côté du banc de muscu.
Alors je vais éteindre la radio. Non. À côté d'un carton qui a une assiette. Éteindre. Prendre la pile. Voilà. Masque anti-poussière, tuyau en métal, clé anglaise, fossile. Ah, un grand sac à dos. Achète. C'est pas mieux que ce que j'ai. Fossile, achète, pied de biche. C'est 27, hein. Ouais, c'est cool ça. La hachette, c'est bon, ça c'est sûr. La fossile, je prends. Ça doit être sympa de se battre à la fossile. J'entends Damned. Il y a un chalumeau ici. Préparez-vous pour la horde. Et comme on n'a plus d'armes, ça va être chouette. Il y a des bras, il y a des armes ici, hein, s'il y a besoin. Assiette. T-shirt, petit bandeau. Passer par terre et voir ce qu'il y a dedans, peut-être. Pas grand chose d'intéressant finalement ici. Hein. Tiens, il y a un livre. Ah, mais non, mais c'est Damned qui vient de rentrer. Non. Rapport avec le livre. Parce que. J'avais posé un livre par terre pour Sven. Sérieusement, le banc de muscu là, comme ça, à la fraîche? Objet de prioritaire. Hein. Il est empaqueté. Elle est où la voiture? Ah ouais, Damned il se pointe avec la batte de baseball et les clous quoi, à l'ancienne. Bah tiens. Bon, depuis qu'il a appris à bricoler. Tu le veux le livre ou pas? Mais je viens juste de le reprendre. Et où? Ouais. Tiens, il est là. Ah. Yes. Ouais, y'a quelques zombies hein, mais... Faudrait pas croire, mais y'a Chobiti qui se moque de toi. Hop là. Ouais, me courir le temps que je me... Permettez. Bon, je trouve pas cette voiture. Ah ouais, là, c'est la noire. Ouais. Je suis pas sûr de pouvoir grimper la. La noire, celle qui a plus de alors, voiture. Alors, en vrai, j'ai le matériel pour défaire un grillage. Hein. Attends, je vais déposer ce banc de muscu parce que je suis en train de me niquer le dos et comme j'ai besoin d'économiser ma vie à max. Pièce de rechange de moteur là-dedans, chemise de camouflage militaire et une bâche. J'arrive, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre, t'inquiète. Est-ce que vous avez trouvé un endroit où boire de l'eau à tout hasard? Non. Non, moi par contre, c'est manger à très faim. Ah bah là, par vous contre, avez pas un paquet de chips ou n'importe quoi, non? Non, que dalle. Il y a une poêle vide si tu veux. Ouais, génial, merci. Ouais. Bon bah je vais démonter le grillage. Bon, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait, mais on peut rentrer. Bah y a un banc de muscu, ouais, définitivement. Y a pas besoin de monter des grillages, là y a un trou dans le grillage ici. Ah bon? En plus je peux pas, marrant ça. Ouais, par contre y a plein de zombies qui arrivent sur moi, donc je vais aller voir la bagnole d'à côté. Ouais, y a de un mémoire trou là, c'est mais... un garage ici. En fait, je pense que ça se démonte, mais faut être de l'autre côté. Eh, pour info, là, juste ici, de mémoire, c'est un garage ici. Alors, je ramène plein de zombies, par contre. Hein. C'est pas très très gentil, je trouve. Bah, t'as à dire que je suis sûr que t'as envie de fouiller ce qu'il y a dans le garage. Bah, pour l'instant, j'ai envie de boire. Ils sont combien? On va boire dans le garage. Il y aura une fontaine. Ils sont beaucoup. Non, qu'ils sont au sol, vite. Raté. Ça, c'est un garage. Juste en face du. Putain! Du sud du... J'ai plus d'armes. Ah ouais. Une pelle. On aurait pas laissé tout ça le signe? Non, bah j'avais plus rien. Je reviens. J'ai une pelle. Ah. T'es dans le garage ou? Non, non, on est toujours dans le L là. On est en train de tuer les zombies qu'il a ramené. J'arrive même pas à les taper quand ils sont par terre quoi. Ah non, il a disparu. Non, mais en fait, c'est qu'il s'est téléporté ailleurs. The zombie téléporteur, robe longue. Là, y a plein de zombies ici. L'avantage c'est que j'ai éloigné les zombies qui étaient à la voiture. Ils sont plus là. Mais par contre, moi, il va vraiment falloir que mon perso se barre, il en peut plus. Hein. Tu viens à peine d'arriver. Y'a pas à boire là-dedans? Si, y'a à boire ici. Oui, viens nous rejoindre. Fontaine à eau dans le fond. Ouais, une fontaine à eau. Mais non, mais ouvre pas la porte, je veux boire. Sérieusement. Oh là là, jeu. C'est sale. Hein. Franchement, c'est sale. Je vois les taches de sang d'ici, quoi. Ça tape au corps, donc je fais le tour. Non, c'est à l'intérieur que ça tape. Non, à l'intérieur. C'est là que ça tape. Là. Ouais, ouais, fais gaffe. Il y en a un deuxième dedans. On a quelques-uns qui arrivent sur la route. Alors, t'as trouvé du stuff là-dedans pour toi? Pour le bricolage? Pour moi, attends, il y a pour des freins, des batteries, du fil électrique, des tournevis.
radio, batterie, tournevis. Ah là, il y a plein de livres. La mécanique volume 3, la mécanique volume 4, la mécanique volume 5. Mécanique, il manque le 4 et 5. Le 4 et 5, attends, je prends le 4 et 5. D'ailleurs, je crois que j'ai pas crick, envie de livre. T'as le crick, pompe à pneus, boîte à outils. Ouais, c'est bon. La boîte à outils, c'est un sac, hein. C'est la cuisine qu'il faut que je relise, j'ai oublié. Réduction du poids 15%, on s'en fout un peu. Ceci. Boîte à outils, il y a quoi là-dedans? Putain, je vais boire ici, moi. Prendre. Ce serait con que je crève de faim quand même. Tu peux pas mourir de faim. Ah bon? Bah, tu perds de la vie, non? Et puis au bout d'un moment, tu meurs, non? Ouais, mais bon. Pièce de rechange pour moteur, ça il faut ça. Putain, il faut 6 de mécanique pour le démonter. Chargeur de batterie, je pense que ça peut être utile. Il y a un distributeur aussi. De bouffe là. Et dedans il y a une canette de soda. Fin moins 8. Toujours ça. Il y a une clé de Maelstrom Horizon. Ah elle bah. Pas juste dehors la Maelstrom Horizon? Si, il y a moyen. Il me semblait l'avoir vu. Ouais. Ah si, il y a moyen que la bagnole devant ça soit ça. Ouais. Elle est toute neuve. Alors, attends, parce que d'abord on va éviter de laisser des zombies venir défoncer ma bagnole. Vous faites pas avoir quand ils sautent de par-dessus le truc qui tombe, après ils vous mordent les pieds. Là. Donc reste pas trop là, reste pas là. J'ai des grosses chaussures normalement, mais bon. Toi qui vois, il y en a conseillé. Ils ont eu des problèmes aux pieds quand même. Ouais, c'est la bonne bagnole. Ah, nice. C'est bon ça. Allez, je me casse. Vous remplissez le coffre? Bon, bah moi je me casse aussi parce que vu que je suis venu pour rien. T'as rempli le coffre avec, avec du stuff? Bah non, parce qu'il y a rien, vous avez tout pris et vous êtes parti. T'as pas ouvert, montage. T'as pas ouvert le coffre avec ta clé là. Katox, t'as envie? Ouais. Ok, super. C'est ouvert. Mon perso est trompé. Mon perso est trompé. En, PLS, en débat profond avec quelques zombies. Je sais pas ouvrir le coffre. Non, mais je l'ai ouvert déjà, c'est bon. On peut l'ouvrir depuis okay. L'intérieur. Chargeur de batterie, le chalumeau. Hop, t'es où, Katox? Au garage. Que je te check pour voir si je peux te sauver. C'est lequel des zombies que tu es? Ah non, t'as été en train de revenir. C'est lequel des zombies que tu es? Bah, je vais aller chercher elle le... va pas aller très loin, je pense. Bah ouais, c'était peut-être pas la bagnole idéale à prendre, mais. Chercher le banc de muscu. Non, j'y vais, tu vas te tuer. Bon. Ouais, le coffre il est quasiment plein déjà là. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, je vais le porter sur moi. Moi, je vais prendre des dégâts pendant le temps que on le rend en bagnole. Pose-le. Katox, il va prendre des dégâts, t'es mourant. Mais non, ça diminue quasiment pas. Ok, bah on y va, parce que j'ai faim là. Je voudrais pas mourir comme Dame Ned. Hein? Non, oh, t'as toutes les chances de survie. T'as laissé les clés dessus? Hop. Ouais, nickel. En plus, y'a le plein. Vas-y, rentre, Katox. Allez, retour à la maison. Une nouvelle bagnole et on n'a rien trouvé par contre là-dedans. Si, des pièces de rechange, puis tu sais où ça maintenant les... Le stuff pour le bricolage de bagnole. Ouais. Pas rouler sur le cadavre, tu vas abîmer les bagnoles. T'as un appareil de fitness juste à côté de toi. C'est vers le bas. Ah bon? Ouais. L'autre bas. L'autre bas. Tu roules trop vite. Oh là là là. Mais non, c'est bon quoi. Je suis du dimanche, si tu veux je conduis. Tu vas voir, il n'y a pas de risque hein, quand je conduis. Non, non, ça ira. Il disait que ça allait un peu moins vite, il s'était trompé hein, dans la description. Ça va beaucoup moins vite. Ah putain, c'est tranquille, hein, je te le dis. Hein. Je peux prendre des virages à fond. Hein. Je suis dans la voiture, c'est marqué agité. Essayez de garder votre calme. Ouais. Ouais. Oh là, ça suffit de stresser un peu là. C'était là, c'était là. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça sera la prochaine. La suivante. Ah, ça passe. Oh purée. C'était sec, mais ça passe. À droite? Mais non! C'est la route qu'on a prise tout à l'heure. Ah oui, mais c'est pas la vraie route. C'est la route la plus propre. De, l'un c'est ou l'autre. C'est qu'il n'y a aucune voiture dessus. Ici, si, il y en a. Sur celle-ci, il y en a. Non, il y a la voiture bleue, mais c'est tout. Non, il y a la voiture blanche aussi. Quelle voiture blanche? Genre celle qui va arriver ici. Ah oui. Ah, ça passait large. Et arrête de rouler sur les cadavres! Mais je roule pas sur les cadavres, hein, c'est bon. Il n'existe pas ces cadavres de toute façon. Roule pas sur les arbres non plus, s'il te plaît. C'est la spécialité de Damned, ça. Hein?
Tu mets deux roues sur la bagnole et ça roule plus vite. Voilà, on est rentré en parfait état, franchement. Aucune raison de stresser, quoi. Ah oh non. En parfait état, bah. Ok, j'avoue que ça c'était un peu l'échec. C'est pour moi. Ah putain. Damned. Ouais. Tu pourras démonter tous les trucs qui sont là en fait. Ah la vache. Le tapis roulant. Non, je peux pas, faut une masse, je crois. Ah bon? Ah, j'ai essayé. Ouais, ouais, probable, ouais. Ouais, faut une masse, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de trouver une masse, mais on trouve pas, moi, dans ce truc de merde. Bah, on cherche, hein, on cherche. Ok, je peux tout mettre dans ce sac, sauf un pneu. Nickel. Damned, je te fais un petit check-up. Non, pas. Ouais, si. Non, moi, ça va. Ok, aussi. Moi, c'est bon, normalement. Moi, je devrais, je pense que j'ai une blessure qui est encore infectée. Ok. J'arrive alors. Catox. Je suis dans la K8 parce que je range les trucs que j'ai repris. Ah, parce que tu mets tous les trucs là où ça doit aller. Quoi? Ah bah t'as pas fini, hein. Secours. En tout cas, les trucs qui m'intéressent, oui, je les garde près de moi. Bah que t'ailles te laver aussi, sinon. Oui, ça oui. Alors, les livres. Rapport à l'infection, tu verras. Ça peut jouer. Ah mais attends, t'as même pas bandé le truc, quoi. Il me faut la cuisine volume 3, c'est parti. Allez hop. J'ai désinfecté, hein. Nickel. Bon, faut chauffer la douche, c'est bien, non? Le petit bain, le hammam, le sauna, non? Si vous trouvez de l'alcool, faudra me le dire parce que des lingettes désinfectantes, j'en ai plus beaucoup, hein, j'en ai plus que deux. Putain, ça m'a fait monter 4 d'XP sur 75 en lance. Excellent. J'en ai cassé 5, je crois. Eh ben comme quoi, on progresse. Chemise de camouflage militaire, alors qu'est-ce que ça vaut ça? Ça augmente ton camouflage, enfin ta discrétion, au hasard. Eh ben écoute, c'est pas marqué dessus. Et ça protège de 0. Très utile donc. Chargeur de batterie. Je sais pas. Faut voir quand même. Peut-être que ça augmente le camouflage, mais à condition, j'imagine, de rien mettre par-dessus. Ouais. On va se laver un petit peu, tant qu'à faire. Alors, je vous ai ramené plein de trucs sympas, hein. Je te mets tout ça en tas. Oui. C'est surprenant qu'on ait toujours de l'eau, non? Non, il y a des trucs de voiture, je sais où ça va déjà. Ce serait dommage de le ranger. Bah, je voulais ranger les trucs de voiture à la bonne place, et je me suis rendu compte que ça avait changé de place encore. Ah oui. Ah. Bon, bah là-dedans, il y a de la place ou pas, ouais. Ça doit être ça. On va lui mettre les pièces de moteur. Katox, tu veux la fossile? Et le déplantoir? Bon, j'en ai déjà quelques-uns, mais... D'accord. Et il faudrait que je me mette des véritables rangements dans la cahute là-bas, parce que je commence à avoir manqué de place. Alors, Damned, je te donne... Tout ce qui va pas à des endroits précis, colle à bois, cadenas, pièces électroniques et piles. Bon, on est un petit peu mouillé, mais ça va faire le taf. La poêle vide, je sais où ça va. La baguette de soudage, ça va te faire plaisir. Encre dans T2, saleté 16 sur 100, ouais, ben ça va. On remplit tout. Non, pas les bobines de fil. La baguette de soudage, pièce électronique, la fourche cassée. Bah on va la mettre. Quelqu'un sait où sont les seaux d'eau? Par terre dans la cuisine, non? Bah justement non. Regarde dans les armoires sous les évilles des toilettes. Ah. Alors là il y a un truc avec les branches d'arbres, je vais les remettre avec les lances. Alors, la pelle, on la range. Hop. Faudrait que j'enlève mon dernier bandage. T'as général du corps, parfait. Il va être temps de faire ma petite séance de sport. J'ai un sac plastique. Ok. Et après je vais me laver. Le banc de muscu, est-ce qu'il a été installé déjà? Non, te le chercher. Est-ce qu'il y a un endroit où on met les sacs, Damned, dis-moi. Les sacs, Bon, le vêtement. Ça dépend qu'est-ce que t'as. Ouais, t'as voilà, dans le cartable et tout, ouais, c'est là. Hop.
C'est ça. Je l'installe où ton appareil de fitness? Chapeau en papier journal, sérieux. Où tu veux. Oui. Je vais pas le mettre en plein milieu du truc. Peut-être que tu peux faire une salle de gym dans la salle qui a été libérée. Est-ce qu'il est pas joli comme ça? Donc la salle de, tout au-dessus. Oui, là. T'es belle comme tout. Pour dire aïe, aïe, aïe. Un peu triste, mais ça va. Un peu triste, mais ça va. Alors, un tissu, on a une VHS ici. Voilà. Ça, ça va ici. Putain, je sors de mon sac de marin pour mettre sur moi, pour mettre dans la caisse, c'est 4 minutes par truc. C'est toi qui m'avais dit de jamais prendre ce trait, hein, donc t'assumes maintenant. Mais je suis pas mort entre temps, c'est tout. C'est pas de ma faute si j'arrive pas à mourir. Tu m'as dit dès le début de pas le prendre ce truc, donc... Oui, mais moi, normalement, j'étais pas censé faire les fouilles. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, je range pas. Moi, ça me prend un épisode de ranger 3 branches d'arbres. Là, je suis en train de mettre 4 branches d'arbres dedans, ça me prendra une minute, quoi. Mais tu sais que c'est encore plus long de le mettre par terre et que ce soit les autres qui le fassent, en soi, mais bon. Non. Bah non, pas pour oui. Bah, oui. Non, pour mettre non. Par terre, pour mettre par terre, c'est assez rapide, hein, pour moi. Ouais. Bon bah, la voiture noire, faut plus la prendre, hein. 2% de moteur, je pense qu'elle reviendra pas. Non, tu peux t'en servir pour pièce. Non, je pourrais la réparer, enfin, bah mais... Ah ouais, mais va la garer plus loin, alors, va la garer en haut, à côté de l'autre immeuble. Non, je pourrais la réparer, mais là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est mort, quoi. Ouais, mais en attendant, car faut pas garder nos épaves devant chez nous, quoi. Bah, elle est en état parfait, il y a juste le moteur qui est un peu abîmé. Et le pare-brise, hein. Il est possible que quelqu'un soit pris des choses avec. C'est pas le genre de la maison. Non. Franchement, j'en qui ferait pas. Ça dans le... Je n'en doute pas. Bon bah, je t'ai remis des pierres affûtées, des branches, une fourche cassée. Je t'ai trouvé un chalumeau, Adam Ned. T'as envie que je te le mette quelque part? Bah ouais, tu peux le ranger avec les outils. Là, baguette de soudage et tout, ouais, ça a l'air bien. Hop. C'est pas mal. Et une boîte à outils, je mets ça avec. Et il va être temps d'aller préparer un peu à manger, je pense. Bouteille de soda vide, hein, je vais la foutre genre juste là. Après, voilà. On va s'arrêter. Ah, on peut pas mettre une lance à la ceinture. Y'a peut-être encore des trucs à bouffer, non? Non, y'a plus rien. Dans le dos, ouais. Ok, du coup... Elle est rangée, la poêle? J'arrive. J'ai justement le dernier truc qui me reste à ranger. Faut que tu me la remplisses. Oui, bah tu permets. D'abord, tu me la ranges. Et après, tu demandes gentiment, et éventuellement, je te la remplirai. Je meurs. J'ai pas entendu s'il te plaît. Je meurs, s'il te plaît. Bah non, je meurs pas si tu me fais à manger. Tu l'as élevé comment ton fils? La prochaine fois que je le vois, je lui poserai la question. Il va te répondre, ah tu vas comprendre. Féol, comment on dit donne-moi le truc s'il te plaît? Il va te répondre, m'emballec. File-moi le puzzle, Balek, connard. Il est très poli mon fils parce qu'il sait qu'il a absolument pas le droit de répéter le moindre mot de ce que dit son père ou sa mère. Ah oui. Ah, c'est une astuce. C'est l'exemple, c'est l'éducation par le mauvais exemple. C'est ça. Donc si tu te poses la question si c'est une insulte ou pas, ou papa, ça va mal aller. C'est ça. Tu te demandes si tu l'as entendu dans notre bouche. Si c'est comme ça qu'on parle, c'est pas comme ça que toi tu dois parler. Bon, j'ai faim, c'est trop tard, il y a toujours rien à bouffer ici. Est-ce que je dis ça moi? Enfin, oui, je dis ça, mais c'est pas un bon exemple. Enfin, parce que je le dis, hein. Pour te montrer ce qu'il faut pas faire. Faire c'est mes bon, squats en attendant. Ouais, c'est trop tard, je suis parti faire mes squats. Attends, le mec il est affamé, qu'est-ce qu'il va se faire des squats, quoi. La régularité, c'est important dans l'entraînement. Ouais, certes. Bah, moi je me suis fait une régularité de une petite bouteille de bière, ça va, ça serait bien. Pourquoi je suis trop lourd d'un coup? J'ai mis l'idée. Une petite cigarette, en attendant que ça cuise. Ah, j'ai enlevé mon sac! Ah, mais j'ai une barre en métal sur moi, qu'est-ce que je fous avec une barre en métal? Je vais le garder, ça pourra toujours servir d'avoir un petit truc de secours au cas où. Je fais mes pompes maintenant. Je t'ai fait une soupe.
Par contre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a rien. Mais au moins, t'as une soupe. Super. Avec tes champignons, figure-toi. Mais t'es encore plus déprimé qu'avant. Et empoisonné. Non, c'est moins 10 de dépression. Ah bah, c'est cool. Si t'as pas confiance dans tes champignons, tu les ramènes pas, c'est tout. Mais ça serait bien que je vais te les cuisiner. C'est clair. Tiens, me les faire manger aussi. Exactement. Non, j'ai fait mes pompes, j'ai pas fait la souche, j'ai pas mes lances. Donc ça doit être dans le sud gauche. C'est pas cuit encore. Ah non. Comment ça, c'est pas cuit? Bah attends, j'ai deux secondes mes pompes ou pas? Oh le mec quoi. J'y suis en train de te préparer une soupe. Ah bah, pas dit que c'était cuit. Allez, vas-y. Ça brûle là. C'est bon. Allez, boire un demi. Attends, c'est de la boisson qui m'a fait, j'ai pas soif. Ah, c'est bien, ça va m'enlever ma soif. J'ai jamais content, quoi. Bah, tu l'as. Tu si t'es pas content, c'est la même. Ah, elle est bien ta soupe. Et après, faut la poser sur la table, c'est ça? Non, en remettant dans le micro-ondes, je vais la finir. Moi aussi, j'ai faim. Je suis en train de commencer à la poser. C'est flash IRL. Grouille-toi, j'ai faim, j'ai soif. Je vais la poser ici. Exactement ça, aller s'entraîner avant d'être complètement essoufflé, abdos. Je parie qu'après il va me dire qu'il faut que je... Normalement je suis censé pouvoir préparer des bols de soupe hein, après, mais bon, hein, je crois qu'on a, on a pas la patience. Du coup, on arrête non, l'épisode non, là bah tu... Non, Dame Ned, non. Si ton but c'est d'arrêter, si tu fais tes squats mais faut pas que tu touches la barre, la batterie. Faut pas que tu lèves trop la tête quoi. Ça pique hein. Ah, allez, on va s'arrêter là. Vas-y, fais le outro. A plus tout le monde, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à voir la vue du signe. Au revoir Katox, au revoir le signe, au revoir Damnet. Merci pour cette session, super sympa. Salut. Ciao ciao tout le monde.